Chili, il y a eu Monsieur Pinochet. Aujourd'hui, dans le désert d'Atacama, il y a beaucoup de femmes. C'est un désert où les cailloux ne sont pas pierres. Des petits trous émaillent le sol de cette terre. Juste en dessous dorment des fils et puis des frères. Des rien du tout, retrouver leur lambeau de chair est un rêve fou. C'est un désert où des femmes sont unies et fières, et des femmes, beaucoup, elles brandissent leurs années de guerre et leur courroux. Parfois arrive une première, elles lui disent tout ce qu'elle doit faire pour être entière, pour rester debout. Ouh, ouh, dans ce désert, on vient avec son cimetière de photos floues, mais ce sont des os qu'on déterre, pas des cailloux. Quand l'une en trouve, ça les libère, c'est rien du tout. Et ce qu'on leur a pris hier repart dessous. Ce désert, selon les sources militaires, il n'y a rien du tout, rien que des femmes sur les nerfs qui font joujou, qui insistent et qui persévèrent. Elles font des trous pour pas qu'un jour un commissaire recouvre tout. Elles ont perdu.